Oh, ça c'est sympa. Petit pain d'air. Ça j'en avais plein à la Réunion. Un petit camion pain d'air. J'avais fait un petit diorama avec que des camions comme ça. Dans avec la dépôt partie et qui s'ouvre à l'arrière. Bon. Je sais plus c'était quoi, voilà. Quoi dessus. Là c'est sous la version pain d'air. Je sais plus c'était quoi, sous quelle version. Alors je sais qu'il y a pas mal de collectionneurs qui collectionnent les pains d'air. Ouais. Et écoute, il est plutôt magnifique. C'est marrant, j'ai jamais vu ces roues-là, moi, chez Majo. Ouais. T'en penses quoi? J'étais plus habitué avec les anciennes, enfin ces roues, les roues ouais, telles qu'on connaissait. Ouais, mais comme ça, après... Ouais, ça peut aller, ça peut... Non, moi j'aime bien, hein, ça fait propre. Ouais. Mais c'est la première fois que je les vois, ces roues-là, j'ai l'impression. Est-ce que ça... Non, il existe aussi sur le Ford, tu sais, le Ford avec la grue qui est derrière, une espèce de camion américain Ford. Il y a aussi ce type de roues. Ouais, voilà, ça me dit rien. Bon, après, ouais, c'est bien, c'est cool d'en avoir. C'est vrai qu'on est assez regardant sur les Hot Wheels avec les roues. Moi, j'aime bien, perso, je trouve que ça va bien. Ouais. Je les trouve plus jolies ces roues-là que ces roues-là, par exemple. Ça là, elles sont, ça va bien sur des racines. Ah, j'ai encore les anciennes versions, les premières versions avec les roues. Il y en a plein, celle-là, triangulaire. Ouais, il y a des roues comme ça ou. Celles qu'on. Ouais, il y en a plein. Bon, on va voir du. Ah, celui-là, je l'avais. Tiens. Un Shell. Petit 5e Shell. Oh, pardon, plus le gros mot. Désolé. Ah, c'est sympa ça. Ah, il est pas mal, hein. Il ira bien avec mon Bernard que j'ai restauré, hein, Shell, je crois. Ah non, mais ça c'est... Ouais. Eh, la citerne est en métal, là. Hein. Oh la vache, il y a des trucs en dessous, là, je vois, au fond, là. Petit redressement de truc, là, et c'est bon. Alors après, Shell, il y a Esso. Alors celui-là, je l'avais jamais eu. Moi, perso, je l'avais déjà vu, mais jamais eu. Le Shell, je l'avais. Je l'ai toujours d'ailleurs, je crois. Mm-hmm. Ils sont jolis. Ouais, sympa. Hein. C'est des camions que j'avais aussi quand j'étais. Ça rappelle les publicités. Et Esso avec les petits oiseaux là. Ouais. Ça, j'en avais pas mal aussi quand j'étais petit. Petit du 1/100, hein, c'est ça? Ouais, 1/100, ouais. Eh, c'est lourd en main. Hein. Ouais, donc t'as la citerne, elle est en métal. Ouais, c'est lourd en main, c'est du costaud et tout. Attends, va enlever la citerne, toi. Oh, elle se clipse là. Il y a des machins ici. Il y a des petits picots dedans. Mais ouais, c'était solide, hein. C'était Majorette, ça a toujours été reconnu pour la solidité. Qu'est-ce que nous. Oh, tiens, une petite Alpine à Suez. Oh, pas mal. Il y a encore les rétro, le gyro et le haillon arrière, pardon. C'est comme ça qu'il faut faire. Tac. Voilà, là aussi il y a pas mal de variations vitrage. Là, comme sur toutes les Majos. Ouais. Quand je vais faire la séance photo, là je vais voir si je les ai dans la collection ou pas. Grâce à les photos, on arrive à voir les variations. Quoi. Parce que comme ça, je dirais ah bah celle-là je l'ai déjà. Mais en fait non. Moi il me semble que même le logo il n'est pas rouge. Mmh. Je pense que j'ai un vitrage qui n'est pas bleu, je pense que j'ai un vitrage translucide et j'ai un logo peut-être écrit en bleu sur celle que j'ai, mais pas SOS Docteur écrit en rouge. A voir. Et t'as vu, il y a bien marqué Alpine Renault derrière sur le truc. Hein. Mais elle était plus souvent sortie en bleu, celle-là. Oui. Très rare les couleurs de. Ah là, une petite BMW la Turbo. C'est une. Ça j'en avais une aussi. Voilà, et encore la présence des deux portières papillons. Ouais. Donc ça c'était sympa ça. Donc, merci à toi Majofan. Ça c'est excellent. Ça tu trouves plus. Là tu vas t'abonner à sa chaîne. Hein. Ah non mais c'est clair. Ah, non, mais c'est... Majofan 69. Donc si j'y pense, je mets le lien en description. Voilà. En plus les portes sont encore en bon état d'ouverture et tout. Ensuite, je pense que cette vidéo sera assez longue étant donné qu'on est à la moitié du colis, donc elle sera partitionnée en deux ou trois vidéos. Donc en deux ou trois parties, hein, on reprendra au fur et à mesure comme ça. Ou alors on met la grande vidéo et les gens... Ah ben voilà,
Le fan de Tipo, voilà, ce que je dis, c'était le recordman. Il m'a montré une photo, et je sais plus comment il avait Tipo. Truc de fou, quoi. Donc, ah tiens, il y avait plusieurs variantes. Ah ouais, il y en a plein des variantes. Moi, j'avais la variante avec l'intérieur blanc. Moi, j'ai la variante avec l'intérieur blanc, et c'est pas marqué Tipo comme ça de côté. Ouais. Je peux pas vérifier parce qu'elle est rangée là derrière, et là, je peux pas vérifier pour l'instant. Tipo. Ah, j'adorais cette bagnole. Même en vrai, j'aimais bien cette bagnole aussi, en fait. Ah ouais, c'est classe, la classe à Vegas. Avec un petit tournant. Je vais mettre les papiers bulles là-dessus. Là. Ah, mais pouvoir ranger un petit peu, là. Hop, c'est un petit coffre. T'as le trop près de la vidéo, là. Oups, voilà. Et voilà. Ça focalise sur le barbu derrière. Ça, c'est génial. Ouais, là, original avec les pare-chocs rouges, l'intérieur rouge. Ouais, moi j'avais blanc, intérieur blanc. J'avais blanc moi aussi. Et c'est ça que les photos, ça sert. Ah, une deuxième variante de la BMW Turbo. Rallye de Monte Carlo. Oh, pas mal. Ouais, celle-là, ça peut être. Vas-y, vas-y. Avec les portes papillons bleus. Un peu flashy à mon goût quand même. Mm-hmm. Là ouais. Après, voilà, c'est l'originalité de mettre des portes papillons. Après, ils auraient fait quelques petites finitions en même couleur que les portes, ça aurait été peut-être moins flashy, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ah. Là, tu vas y aller. Ouais, sympa. Bah, et pour l'âge, tu peux y aller. Non, mais c'est clair. Ouais, ouais. La belle, la belle caisse. Attends, c'est magnifique. Sortir un camion, là. Ah, ça, c'est une Matchbox. Ouais, ça se voit. Matchbox, un Scamel. Scamel Tractor Matchbox 73. Donc celui-là, il a vécu. Il a l'air un petit peu déformé aussi, le châssis là. Mm-hmm. Ouais, faut aimer. Ah, bah, je suis sûr que s'il y avait la remorque, t'aimerais. Hein. donc, ça, c'est du 1-1-1-1-1. C'est pas marqué. Alors, je vais me taire, je vais pas raconter de bêtises. En tout cas, des Matchbox de cette époque, j'en ai restauré pas mal. Ouais. Bon, et c'est du costaud. Hein. La face avant, je pensais un peu à un international. Ouais. Ouais, après, ça reprend vraiment les répliques des camions. Alors, je sais pas si Scamel, ça existait. Hein. Ouais. Moi, personnellement, je sais pas du tout. Là. Bon, ça va, s'il est sympa. Il est sympa. Peut-être que ça existait en marque. Et que voilà, ou peut-être que c'est une réplique. Oh, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Attends, je vais le mettre là, à côté. Donc, par contre, il roule plus. Il est un petit peu, il a fait la guerre. Celui-là, il va être restauré. Ah, celui-là. Ah, la petite benne qui s'est barrée. Il faut la reclipser. Ouais. Ouais. Alors, celui-là, je sais. Voilà. Tiens. Waouh. Le petit multi-ben, il s'appelle. Hein, Toujours un Scania, ouais. Scania Multiben, excellent. Qu'est-ce qu'on a pu jouer avec? Exactement. À mettre du sable dedans ou des machins. S'amuser à ça. C'est vraiment épicé du costaud. Ouais. Franchement, la structure en métal. Il y avait juste la benne en plastique. Eh, mais il savait faire des choses quand même à l'époque. Hein. Je crois que je l'ai pas mis dans le bon sens, la benne. Ouais. Bah, en tout cas, c'est top ça. Et Scania, il y en a un multi-ben, voilà, il s'appelle. Made in France. Tu faisais des déchetteries avec ça. Mais oui, qu'est-ce que s'amuser avec ça, là. Alors, ah voilà. Ah, bah, le cousin, qui était vendu dans le lot avec le multi-ben à l'époque. Ah, excellent, ça c'est un Magirus. Il était vendu dans le lot avec le. Ouais. Et faut savoir avec le multi-ben, moi je l'avais. J'ai les deux. Hein. Alors, normalement. Et de neuf. Et en principe, ça tourne. Ouais, quand tu roules, ça tourne. Quand tu roules, ça tourne. Alors voilà, il faudra que je vérifie par rapport aux roues, parce que là, il y a trois types de roues différentes. Mais c'est normal, parce que c'est cette roue arrière qui active le. Qui active la ouais, toupie. Ouais. Ah, la toupie. Ouais. Donc ça, elle s'appelle Ben, hein, je crois. Magirus Ben. Magirus Béton. Magirus Béton. J'en avais un aussi, celui-là. Ah, purée. Un petit mécanisme. J'avais les roues, j'avais pas les roues comme ça, par contre. J'avais les roues toutes fines et les deux grosses roues à l'arrière. Celui-là, il est terrible. Ouais, sympa.
Et après, ça me rappelle. Ah ouais, mais là, moi, non, mais là, ça me lâche. Là, on retombe à 30 ans en arrière, là, facilement. Et je suis sûr que si tu regardes dans mes caisses, les deux là, ils sont rangés ensemble déjà dans la caisse. Ouais. Et les deux que j'ai, mais alors, où ils sont? Alors, ça, très 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 bonne question. Donc, là, une petite Porsche Le Mans. Ouais, ça, ça a plus de 30, plus de 40 ans, ce truc-là. Moi, j'ai pas connu celle-là. C'est marrant, on dirait qu'elle a été repeinte. Tellement elle est. Tellement elle est propre. Mais ouais. Non, en fait, elle est d'origine. Elle est super. Par contre, il y a des antennes, je crois, derrière. Je ça, il me semble qu'il y avait une antenne sur ce véhicule. Ça ressemble plutôt à des genres d'entrée d'air ou. Ouais. Mais il me semble que moi j'en ai une avec une antenne. Je ne rappelle plus. En tout cas, elle est en excellente condition. Elle est très jolie, ouais. Petite Porsche Le Mans avec les vieux châssis encore avec marqué ouais. Ah, à chaque fois j'oublie de montrer le dessous. Voilà les vieux châssis comme ça, les vieilles Majot. Ça c'était quelle année ça? C'est facilement 60-70. Oh, facile, j'étais même pas né. Superbe là. Condition. Ouais. Ah, mettez-le dans les commentaires s'il y avait une antenne ou pas, parce que là j'ai un trou, là. J'ai un doute. Il me semble que moi j'en ai une avec des antennes. Mais là, il n'y a pas l'air d'y avoir de truc de cassé. Tu confonds pas avec une autre. Je dois confondre avec une autre. Avec la. Je dois confondre avec une autre. Putain, super état celle-là. C'est pas la Cougar, c'est là. La Cougar. Non. Bien les jeunes celle-là. C'est pas la Cougar, c'est la. Pantera. Non. C'est la Pantera. C'est pas une Pantera chez Majorette. Je sais pas, je vois une avec des antennes. Celle est orange et jaune. Ouais, mais elle est pas aussi fine que ça. Ouais, non, ouais. Je crois que t'as raison. Ouais. T'as raison. Ah, là, la Mercedes 190E. AMG. Attends, c'est 2 litres 3, 16 sous pas. Alors, celle-là, je l'ai de la même couleur, mais je l'ai pas avec ces roues-là. Moi, je l'avais. Parce que moi, il y a un fan qui m'a dit que je l'avais avec d'autres roues et. Qu'elle était très elle rare. Elle était. Alors ici maintenant ils appellent ça le gris anthracique. Oui, moi, je crois que je l'avais en ouais, gris anthracite. Je l'ai aussi en gris anthracite. Il faut savoir que c'est la 190E, mais en version. Le moule, je crois que c'est la version AMG. Avec l'aileron. C'est un châssis type AMG si je me trompe pas. Non, alors ça je pourrais pas te dire. Ouais. Je crois que la grise elle est là. Je vois une grise. Voilà. Toi, t'as celle-là. Exactement, c'est celle-là que j'avais. Voilà. Oh putain. Souvenir. Stop, si on chante trop bien, on va avoir un droit d'auteur. Ouais, la classe, hein. Ça, pour moi, ça, c'est ma joie, ça. Ouais. Ça, c'est du top. Ça, c'est de la ça, c'est top. Ah ouais. Regardez-la. J'adore. En plus, j'adorais cette couleur. J'adore toujours, d'ailleurs. Ça va, un petit peu les optiques qui descendent devant, mais avec bon, ça a un petit tout rouge derrière. Petit coup de tournevis, on va le remonter vite fait pour que ça se reclipse. Et les feux avant reportés. Et il y a des ouvrants aussi, des portes. Alors ça valait le coup hein, d'ouvrir le. Et l'emblème, il est encore attendu. Hein. Ouais. Mais non. Les emblèmes là, Zamac, c'était du costaud quand même. Il y a l'emblème encore là. Ouais. Et terrible. C'est sur l'autre, c'est sur la 450 que l'emblème est plus fragile. Alors. Ouais, parce que la 450 elle est en plastique là-bas. Oh, une R5 Turbo. R5 Turbo, donc celle-ci je l'ai pas. Et je l'ai pas du tout. Et je l'ai pas du tout dans cette variante de carrosserie. Ah non, c'est pas une. C'est une Maxi 5 Turbo 85. Je l'ai pas du tout dans cette variante là, moi. La mienne n'est pas comme ça. L'arrière n'est pas comme ça et tout. Donc c'est un autre moule. Tout à fait un autre moule. Timonier, c'est Timonier, je vais dire. Ragnotti, Jean Ragnotti. Ah, la spéciale, hein, les fans de Majot, ils vont être contents. Voilà. Pas mal. Donc, pour rappel, merci Majot Fan pour le colis. Majot Fan 69. Là. Donc, il a une chaîne YouTube, je mettrai le lien en description. Majot Fan 69, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Voilà. Donc, super sympa. Voilà, on va voir une autre. C'est celle-là. Là. Je l'ai vue depuis tout à l'heure. Ouais, une Dodge. Petite dépanneuse Dodge
avec encore le truc, hein, tu crochet, regarde sur le crochet, il y a marqué 2 tonnes. Tu peux soulever jusqu'à 2 tonnes. Non, sans rigoler. Hein. Là. Oui, ah ouais, sur le bras. Ah, sur le bas du... Oui, j'ai dit sur le crochet, ouais. Le temps pour moi. Mettre dans l'autre main, je vois pas. Tac. Encore avec le crochet. Ouais. Les giros. Sympa ça. Sympa ça. Donc là, il y a une variante aussi de sur ce châssis de calandre. Oui, là, c'est ce que je viens de dire. T'as une calandre à 2 phares là, ouais, et ouais. T'as la calandre à 4 phares. Avec les 4 feux, ouais. Et t'as pas une calandre avec des feux carrés. T'as pas 3 variantes. Deux variantes sûres. Mettez-le en commentaire. Deux variantes sûres de mémoire. Bon là, moi je rentre des vacances, j'ai pas du tout la tête aux miniatures, aux catalogues, aux variations, aux machins. Ça j'aime.